Salut à tous, une vidéo qui sera un brin gueulante parce que vous allez pouvoir le voir si j'arrive à tirer la fenêtre. Je vais vous parler des formats universels de paquets. En gros, recopier ce que fait Apple depuis une grosse quinzaine d'années avec ce qu'on appelle les fichiers DMG, Disk Image. En gros, compiler une fois, installer partout. Ce qui peut fonctionner sur le monde Apple qui est quand même assez homogène, dans le monde du libre, bon bref, il y a trois formats qui existent, Snappy, Flatpak et un qui est plus ancien et moins connu, AppImage. Donc je vais prendre une Arch Linux Mate, tester deux logiciels parmi les plus gros que je connaisse, à savoir GIMP et LibreOffice, qui sont quand même assez complexes, voir comment ils peuvent s'installer en paquet universel dans les deux formats, Snappy étant poussé par Canonical, donc par Ubuntu, et Flatpak étant poussé par Fedora, par Red Hat, donc Fedora. Et pour la machine Arch Linux Mate tout court, je prendrai AppImage. Donc on va commencer par Snappy. Comme le démon SnapD est supporté par Arch Linux, je vais l'installer. Et je vais tester d'installer GIMP et LibreOffice. J'ai pris Mate parce que c'est suffisamment léger. Voilà, faut pas chercher à comprendre pourquoi plus loin. Bien sûr, je n'ai installé ni GIMP ni LibreOffice. J'ouvre pour l'instant. Comme c'est le clone de la machine Arch Linux Mate, il n'y a ni GIMP ni LibreOffice. Ça permet comme ça de tester proprement l'ensemble. Ah, m'énerve! Là, ça m'énerve ce bug par contre. Donc j'aurai droit aussi pour les deux autres machines virtuelles. Mais tu vas arrêter de bouger, oui. Là, c'est juste pour mettre ça à leur place. Un aléa du direct de mes deux. C'est un peu plus agréable que ce soit là. Et on verrouille les deux. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas GIMP, il n'y a pas LibreOffice. Donc je vais aller sur le wiki d'Arch Linux. Comme ça passe par ligne de commande les deux, Snappy et... enfin les trois passent plus ou moins par ligne de commande. Donc là, bien sûr, je n'ai pas mis le paquet FR, c'est pas grave. J'ai oublié de mettre le paquet français, c'est pas grave. Donc on va sur wiki.archlinux.org et on cherche Snap. SnapD. Voilà. Bon, c'est le démon pour Snappy, pour les Snaps. L'installation, c'est juste installer les Snaps. Donc c'est très compliqué. Et il faut démarrer le... Donc il faut... Alors, on va déjà commencer par installer SnapD. Et après, on verra. Donc, /snapd. Donc, enable SnapD socket. Donc, il faut se déconnecter après. Ok. If you want your apps to be automatically updated. Bon, mais j'ai pas besoin. Alors, je vais voir comment s'appelle le démon SnapD. Donc c'est celui-là tout simplement, sudo systemctl start snapd.service snapd. Ok, il va démarrer et apparemment ce que j'ai compris, si on rajoute des logiciels il faut se déconnecter, se reconnecter pour les faire apparaître. Bon, moi je vais juste vérifier que je vais juste me déconnecter. Que je me reconnecte. Donc SnapD en gros, enfin Snappy ou Snap fonctionne en gros comme apt-get. Donc là, on va faire Snap. Alors Snap help.
Alors, changes, create, find the list. On va faire find snap list. Ah non, c'est OK. C'est snap install ou snap search peut-être. Snap search. Non, c'est find peut-être. Voilà. Snap find et on va faire GIMP. On va voir si ça va nous répondre. D'accord. LibreOffice peut-être. Charal. Snap des demandes. On va essayer Snap install LibreOffice. Ah, peut-être sudo snap. Sudo snap install GIMP. Donc il installe le paquet Ubuntu Core. Cool. Ça. Oui, c'est que ces plateformes, oui, mais ça t'installe le paquet Ubuntu Core. Alors, on va essayer Snaplist, Snapfind, on va faire grep GIMP, donc il faut passer par sudo. GIMP apparemment n'est pas disponible en fichier Snap. Ouais, joie! Cool. Il n'y a pas 36 millions de logiciels malheureusement. Est-ce qu'il y a LibreOffice au moins? Ça commence bien. D'accord, on va chercher comment. On va voir si c'est un paquet Snappy pour LibreOffice. C'est très joyeux. Ouais. Alors, LibreOffice, enfin, LibreOffice Snap Package. Peut-être. Snap package. Developer to. Try Snappy, oui, je voulais avoir la liste des paquets. Joie. Snap package list. Package list. Ouais. C'est quand même étrange qu'il n'y ait pas GIMP. Alors, snap find. Snap find name. C'est Snap Refresh. On va déjà voir. Ça commence bien. Déjà, il n'y a pas GIMP apparemment. LibreOffice, il n'y a pas de version disponible. Ouais! Joie! Punaise. Moi, je cherche mal. Hein. Snap List, bien sûr. Snap Find. Apparemment, il n'y a pas LibreOffice. Snappy Test. Il n'y a pas beaucoup de logiciels finalement. Enfin, du moins, ce que je peux voir. Oh punaise. Ni GIMP, ni LibreOffice. Ouais! Qu'est-ce qu'on va tester à la place? On va essayer VLC pour voir si ça fonctionne.
Mais c'est quand même bizarre que. Hein, qu'il n'y ait pas d'un logiciel comme GIMP. On va voir ici. Mais c'est quand même dommage, je pensais qu'il y aurait au moins, ne serait-ce que GIMP en version Snap. Donc je vais voir comment ça, si ça fonctionne. Par contre, je suis étonné qu'il y ait si peu de logiciels en Snap. Je sais que la technologie est récente, mais quand même. Qu'un logiciel comme GIMP ne soit pas présent, ça fait mal. Peut-être que Flatpak se débrouillera mieux. Donc, ça m'a téléchargé 127 mégas pour VLC. Je vais voir si ça se lance. Du moins, si c'est disponible. D'accord. On va voir dans Mozo. C'est lié VLC. Ouais, donc, on va essayer de l'activer. Oui, VLC se lance. Mais bon, c'est une version 3.0. Ouais, bon, c'est pas super conseillé. Et 127 mégas, donc je vais virer celui-là. Je vais voir combien pèse le VLC. Voilà. Donc là, si je fais yaourt-s VLC qui va me donner une version 2.2, on arrive à 77 mégas installés. 50 de plus. Apparemment ça se lance Snappy, mais ça fait quand même installer 70 mégas de plus. Non, mais pour le moment il n'y a pas beaucoup de logiciels. Dommage pour GIMP et dommage pour LibreOffice. Bon, on va voir avec Flatpak. Maintenant. Donc déjà Snappy, bof. Bof, bof, bof. Donc on va voir avec Flatpak. Pour GIMP et VLC. Peut-être que les deux seront disponibles. GIMP et LibreOffice plutôt. Bon, l'installation de Snappy est pas trop compliquée, mais il y a très très peu de logiciels. Et propose une version de développement de VLC, bof quoi. Qui pèse quand même 50 mégas de plus que la version officiellement compilée pour la distribution en question. Ça fait quand même mal quoi. On passe de. Ça fait bien 50% de plus ou pas loin. Donc, on va installer Flatpak. Oh, que j'aime pas ce bug de maté. Voilà. Et zut, je vais arriver à le déplacer, oui. Voilà. Donc là, on va faire la même chose, mais avec Flatpak. Donc toujours notre ami le wiki d'Arch Linux parce que les deux sont supportés sur Arch Linux. Donc on va voir Flatpak. Donc wiki.archlinux.org et on va chercher les Flatpak, anciennement connu sous le nom de XDG App. Voilà, Flatpak. Installation. Donc juste Flatpak. Par contre après c'est l'installation des c'est un peu plus complexe pour les logiciels. Faut espérer que la nouvelle Fedora 25 simplifiera tout ça. Donc yaourt-s Flatpak. Donc là je vais aller sur flatpak.org qui va me donner les instructions d'installation. Et l'application disponible.
Flatpak peut-être. Flatpak, Experimental, blablabla, Flatpak. Run peut-être. Install Flatpak. C'est Apps peut-être. Non. Continue Bold. FAQ. Non. Je peux trouver des applications. Apps, bien sûr. Donc, on va voir pour GIMP. Alors. LibreOffice, on verra après. Donc, GIMP, c'est une version de développement, mais au moins déjà. Donc. Il faut installer. Bon, je vais suivre les lignes de commande que je vais copier-coller bêtement. Hein. Donc, pour GIMP, apparemment, c'est version de développement. Donc, on va copier ça. Dommage qu'il fasse passer par ligne de commande. Ensuite, Flatpak install. Waouh! Alors on va recopier ligne de commande. C'est pas super évident, hein? Donc là je vais voir comment on fait pour installer. Ok. Normalement. Donc on va voir si GIMP est installé. C'est un peu chiant par contre la ligne de commande. Hein, pour les Flatpak. Menu principal. Est-ce qu'il y a notre ami GIMP? Non, il n'y a pas encore GIMP. Et après, comment on fait pour l'installer? Ah, d'accord. Donc, on va essayer de lister. Alors, après, comment on fait pour l'installer? Prime Times. C'est un peu chiant, hein, comme vous pouvez le constater. Runtimes. Donc c'est peut-être Flatpak, pour voir ce qu'il veut dire. Flatpak. Remote list. Non, c'est pas ça. Donc c'est Flatpak install GIMP. D'accord, c'est pas la merde. Ah, que ça m'énerve. Ah. Ah, bien sûr, suis-je con. On va voir ce qu'il y a. C'est pas super pratique, hein, Flatpak. Pas vraiment que ça passe par l'interface graphique. Alors on va faire install. D'accord, il suffit de remplacer celui-là. Je vais installer celui-là. Moi je vais le remettre, si jamais.
French Master, fuck off. On va faire c'est ça. Donc on va faire Flatpak install. Gimp level. Ah, vraiment une ligne de commande. Ah, une ligne de... Ah c'est nightly graphics. Ça se voit vraiment que c'est encore master. D'accord. Et est-ce qu'il y a Gimp qui est installé? Non. Va te faire voir. Peut-être sudo. Ah, saleté. Donc j'essaie de me déconnecter, mais là ça m'énerve. Là, je peux vous dire que ça m'énerve vraiment. C'est ultra ennuyeux à utiliser. Parce que là, je ne sais pas comment on peut faire pour installer une application ainsi. Ah, ça y est. Il s'est déconnecté. Eh bien, punaise, c'est pas évident. Hein. Donc là, on va faire la même chose pour notre ami LibreOffice. Mais j'apprends une chose, il s'est déconnecté, il se reconnecté. Et apparemment, GIMP ne veut pas se lancer. La version de développement de GIMP ne veut pas se lancer. Ça commence bien. Ouais. Bon, déjà, ça... Bon, apparemment, peut-être que GIMP est une version de développement, donc il ne va peut-être pas se lancer automatiquement. Mais c'est quand même ennuyeux, hein. Vive les formats universels, tu parles. Propriété. Alors, c'est ça. J'essaie de lancer une de commande. Ah, d'accord, il manque le runtime. Ok, autant pour moi. Donc, je vais rajouter le runtime. Oh la vache, il manquait un runtime. Je pensais qu'il n'a pas installé toutes les dépendances. Bref, donc il faut installer le runtime, celui-là, voilà, d'accord, il n'a même pas dit qu'il fallait l'installer, ben, je ne l'ai pas trop vu aussi, j'aime les formats de paquets universels, je les adore. Et maintenant, est-ce qu'il va fonctionner, c'est pas fait. M'énerve, hein. Il est pourtant installé sur Conrun Runtime. Donc, on va voir Runtime Page. D'accord. Stable Runtime. C'est le... Orgnome Platform. D'accord, donc c'est celui-là qu'il faut installer. Orgnome Platform. Oh, que c'est chiant. C'est vraiment ultra chiant. Alors, install. Donc. Là. Donc, on va rajouter. Je suppose que c'est ça, parce que là, j'avoue que je suis paumé. Orgnome Platform.
Si au moins c'était lisible, cette saleté. Summer runtime. Celui-là que j'ai rajouté. Gnome SDK. Bon, on va voir LibreOffice. Peut-être qu'il va m'installer les. Ah, c'est celui-là. Voilà, je l'ai, la commande. C'est énervant. Là, je peux vous jurer que ça me gonfle. Saloperie. Pardon. Et après, ça donnera que chaque distribution a son format de paquet. Oula. Oh, t'énerve pas, hein? Ouh là là, il s'énerve. Bon, je sais pas ce qu'il nous fait là. Préférence du profil, je vais changer l'apparence. Non mais là, je commence à perdre un peu patience. Ah non, c'est l'inverse. Référence blanc sur noir. Voilà. Je sais pas ce qui se passe, mais... Pendant ce temps-là, je vais télécharger le Flatpak LibreOffice. 156 mégas, c'est pas excessivement lourd. Il a fini, oui. Oh, que ça m'énerve. Non mais c'est vraiment les formats de universels là, du moins Flatpak, c'est la MERDE. Pas moins que Snappy, mais c'est vraiment la MERDE. Bah. Là, ça me gonfle. Ça me gonfle tellement que j'arrête le massacre. Là, j'arrête. J'en ai marre. Désolé, j'ai pas envie de continuer. On va voir avec les apimages, parce que là, Flatpak, il me sort par les yeux. Je ne peux plus le voir. Donc, on va voir les apimages. Parce que Flatpak, hein... Je vais faire mon vieux con, mais vive les formats de paquets spécifiques aux distributions. Point barre. Donc là, on va aller pour finir sur AppImage. Et on va voir comment ça fonctionne, ce bazar. Peut-être que ça fonctionnera mieux. Étant donné que AppImage est un peu plus ancien. Vous comprendrez pourquoi je ne suis pas vraiment fan et je ne crois pas vraiment au paquet universel. Le compiler 9 fois, lancer partout, c'est pas encore ça. Hein. Même si ça existe un jour sous distribution Linux, ça sera beau. Donc on va aller sur le site appimage.org et on va récupérer les paquets pour GIMP et pour LibreOffice. Et on va voir si eux se lancent.
Donc c'était au pluriel, non, c'est singulier. Donc on va voir. On va chercher LibreOffice et GIMP. On va commencer par GIMP. GIMP 2.9.3, non, c'est pas celui-là que je voulais. Peut-être une version qui est stable. Photo App Image GIMP, peut-être qu'il y aura une version. Bon, il n'y a que la version 2.9.3, donc mais tant pis, on va prendre celle-là. Hein. J'aurais préféré prendre la version 2.8.16, mais on fera avec ce qui est disponible. Hein. Et on va voir pour LibreOffice. Au moins déjà, j'ai trouvé celui-là. Si c'est pas la version que je voulais, au moins je l'ai trouvé. Et LibreOffice. LibreOffice 5.1, non, c'est LibreOffice. On va carrément chercher autrement. Et zut. Donc là, on va rechercher. LibreOffice. LibreOffice 5.2 bêta. Est-ce qu'il y a LibreOffice tout court? Est-ce qu'il y a une deuxième page? Oui. Peut-être que je vais trouver la version 5.1. Voilà, 5.1.3. Bon, c'est pas la dernière version, mais au moins, déjà, j'ai la version 5.1.3 que je vais pouvoir récupérer. Donc, publié le 2 juin, fichier, et il y en a pour 248 mégas. Donc, ce qu'il faut pour lancer l'ensemble, voilà. Donc, il faut juste modifier et le rendre exécutable. Là, il n'y a pas besoin de passer par route ou autre, hein. C'est déjà un bon point. L'électroécriture autorise l'exécution. Et donc là, on va lancer GIMP pour voir si cela, on va voir si GIMP se lance. Ouvrir. Voilà. Oh. Apparemment GIMP se lance. Bon, il est un peu lent parce que c'est une version de. Ça se lance dans une. Dans un espace restreint, sûrement. Et comme c'est le premier lancement, apparemment, il veut se lancer déjà. Croisons les doigts. Moniteur système, apparemment, il est planté. C'est pas bien grave, je vais le tuer puis je vais recommencer. C'est une version de développement donc ça aide pas vraiment. J'ai dit tuer le processus. Voilà. Donc on va le. C'est bon. On va recommencer le lancement de. On va l'ouvrir une nouvelle fois, peut-être qu'il va bien voir se lancer. C'est aussi un bug de la version de développement après tout. Hein. Il y a pas mal de petits greffons à charger. Bon, bien sûr, il n'est pas installé dans le dans les menus. C'est la faiblesse des formats AppImage. Mais ça permet au moins comme ça de pouvoir tranquillement les utiliser.
vais avoir seulement une méthode pour l'installer. J'ai juste envie de voir la transparence de l'ensemble. Par contre, je suis vraiment déçu par Flatpak. Oh là 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 là. Ouh. Peut-être la faute à pas de chance, mais il est ultra complexe. Et côté fonctionnement, ne serait-ce que pour le mettre en route, c'est chiant. À moins que le port de Flatpak ne soit pas extraordinairement fini sur Arch Linux. Mais ça donne pas vraiment envie. Hein. Voilà, donc nous avons notre ami. Par contre, il y a un petit problème de thème apparemment. Bon, donc Kimp 2.9.3, il se lance. On va voir pour LibreOffice. Par contre, LibreOffice, je pense qu'il va trouver un sacré veau pour se lancer. Donc, on va voir si LibreOffice se lance bien. Je ne sais pas si ce sera la version FR ou une version anglaise. Mais je pense que c'est la version anglaise. On sur une version multilingue, mais seulement 293 MHz, ce serait étonnant. Non, c'est une version anglaise. Mais au moins, il se lance. Dommage que ce ne soit qu'une version anglaise, mais il se lance très bien. Et là, pas de problème. Voilà, bon, ben, il n'y a rien d'autre à rajouter, quoi. Le format universel, c'est pas encore ça. Moi, je précise tout de suite, je n'y crois pas du tout au format universel. Comme j'ai précisé en intro de la vidéo, si on veut un format universel, il faut une seule distribution, ou une seule famille. Vous voulez que je vous rappelle les statistiques de DistroWatch? Bon, allez, je vous les montrer. Et vous comprendrez pourquoi, pour moi, ça va rester au mieux. D'ici 18 mois à 2 ans, on en parle encore, c'est ce que vraiment... On rigolera bien. Voilà pourquoi je considère qu'on est vraiment loin du compte. C'est la seule statistique qui soit vraiment vérifiable sur DistroWatch. C'est celle-ci. Je descends un peu. Voilà. Il y a encore 273 distributions indexées et vivantes. 65 qui sont dans le coma. Il y en a 482 sur les 820 qui ont été listées, qui n'existent plus. Il y en a quand même presque 230, enfin plus de 220 qui sont sur les attentes. Alors, format universel vraiment? Je crois pas. Allez, salut à la prochaine !